J'espère que ce vlog, je vais pouvoir le terminer. Inch'Allah. Parce que, bon, c'est journée presse et j'ai jamais fait ça en fait sur ma chaîne. C'est pour ça que je voulais le faire. Et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe quand on va à des events et tout. Bon, là, c'est tous des events qui se déroulent à... Enfin, c'est pas vraiment des events, c'est des journées presse. Donc, ça se passe à Anvers. Baya, elle était un peu malade hier. Aujourd'hui, pas trop, trop top. Donc, je la prends avec. Elle a pas été à l'école. Bon, on est mercredi. Moitié de la journée, Miss ici est à un stit, moitié de la journée. Hello. Donc voilà, c'est Barbara, girly teacher sur Insta. Et donc on va à 4 agences de presse. Donc, et donc toutes ces agences représentent des marques. Et si vous voulez, ça nous permet d'aller à un endroit, mais de rencontrer plusieurs marques. Et plusieurs nouveautés du coup. C'est bien d'aller aux agences, enfin ils en font souvent hein, des journées presse comme ça avant les vacances... de Noël, etc. Enfin, les fêtes. Et alors, avant la fin de l'année, c'est ça, hein, avant de la fin de l'année. Avant de la fin de l'année, enfin, je veux dire avant la fin de l'année scolaire. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, c'est pour nous mettre à jour et pour nous permettre de voir en avant-première ou pas des fois, meilleure vente, etc. Enfin, voilà. Pour nous faire découvrir ou redécouvrir les produits. On a combien de temps? 30 minutes Je pense. En fait, il faut choisir une des agences. Ouais, donc à partir du moment où on est à une, on fait comme ça, c'est ça? Non, en fait, je t'ai mis la distance entre chaque agence. Ouais, tu vois? Moi, pareil. Hein. Entre ces deux-là, il y a 6 minutes. Donc à la limite, on fait ça, puis ça. Ouais. Et puis, on fait les deux autres. Ok. Il n'y a que 8 minutes entre les deux, donc... Ah ouais, donc on peut faire comme on veut. Et Ali, je crois. Je sais pas. Mais Ali, ça, pas de Ali Baba. Ali, non, non. Ali. Ali. Bon, 49 minutes. Faut pas faire attention à ma tête, hein. Je suis en mode pouf. Je vous dis même pas. Ma fille, je suis sortie, ça c'est pas dans le log. J'ai vraiment une sale tronche. Et on me dit, non, faut jamais comparer ton teint, hein. Jamais la couleur de ta peau, hein. C'est pas la couleur de ta peau que tu compares. C'est pas ma couleur de ma peau, c'est toute ma tronche. Non, t'es bien, moi je trouve. Et je te trouve allez, ça change avec tes lunettes. Ouais. J'aime bien tes lunettes. Ça donne un air doux comme ça. Hello. Donc voilà, là on est dans l'agence Radu. Je vais vous montrer un peu juste comme ça. Pour que vous voyez comment c'est présenté un peu. Vous voyez, donc ils nous mettent en expo un peu tout le produit. Et puis il y a les responsables des marques. Et donc on peut tester, etc. Poser nos questions. Oh, il y a Ilure, je savais même pas. Ben voilà. Elegant Touch également, que j'avais déjà testé chez Adi. Et mon amour, elle est là avec moi. Elle pose ses petites questions, elle aussi. Comme moi, j'ai déjà des fils, je vais pas pouvoir tester, mais c'est une marque que j'aime beaucoup. Ilure, tu veux goûter, Bubus? Tu veux goûter? Vas-y, fais-toi plaisir. Normally, it's good du lait d'or. Du lait d'or. On a des demi ou des entiers? Moi je dirais pour maintenant des demi. Ça fait comme ça un truc un peu naturel quoi. Oui. Mais donc c'est avec un eyeliner magnétique. Il faut appliquer 3 couches à peu près. Et que ça soit complètement sèche. Et après tu les mets et ça collecte. Gagner ça en concours sur ma chaîne. Ah ouais, excellent. Ah ouais, mais excellent, hein, je trouve. Ça tient, tu sens que ça tient. Est-ce que tu sens que c'est lourd ou pas? Non, je sens rien. C'est toujours mieux de mettre un peu de mascara avant, hein, parce qu'on voit, ouais, quand même. Un peu. Ouais, mais les recourber un peu plus. L'externe. Canon, regarde-moi un peu. Ah ouais, canon. Pretty woman. Ça va, maman? Tu veux goûter? Tu veux goûter quoi? Qu'est-ce que tu veux goûter? Il y a de la salade, ça c'est des petites galettes de miel. Il y a du pain d'épices. Tu veux quoi? Ça c'est du chocolat, ça. Ça c'est la collection spéciale
pour la Reine des Neiges, donc de Corinne de Farm. Et ça, c'est le parfum. Bah, il est pas dedans, il est où le parfum? Il est là. Il est là. Et donc, voilà, il y a le gel douche, le shampoing. Donc, c'est 95% d'origine naturelle. J'ai une vidéo qui va arriver de la routine cheveux de Baya. Donc, ici, c'est 97% d'origine naturelle. C'est un spray démêlant, donc il y a le gel douche, le shampoing, brillance, l'après-shampoing démêlant, et ça c'est le parfum. Et ici, ce sont donc les lingettes nettoyantes. Donc il y a 99% d'eau, et donc c'est un produit made in France. Je voulais juste vous dire, donc ils représentent également la marque Maille, et ils ont sorti de la moutarde au miel. Donc Honey Mustard, donc si vous savez, parce que vous avez déjà testé aussi dans les restaurants et tout ça, des morceaux de poulet frit comme ça, ou poulet pané, avec ça c'est trop trop bon. Donc voilà, juste pour vous dire que maintenant Maille l'ont sorti, alors que moi, enfin, je me suis toujours demandé pourquoi ils ne l'ont jamais fait, ben voilà, c'est dispo. Voilà, donc première agence faite, donc là on a eu le goodie bag, on verra tantôt. Bon, spot numéro 2. Arrivé dans 13 minutes. Mais on dirait que je suis crevée là. C'est... Mais tu es crevée. Ouais, ça se voit. Ça se voit que je suis très très fatiguée. Hey Zina, ma dirti fina, aina qalbi, wisna alik malikina. T'as quand même le. Le truc de. Ah. Non, le truc arabe quoi. Baya, ça fait hein. C'est bon, hein? Ouais, Gaga Yazoubida. Ouais. Et il y a Zina. Et une autre encore. Zina, Sartini Mariema, Lele Mariema. Nina. Je me souviens plus de la suite. Une belge mais qui adore la culture marocaine, arabe ou marocaine? Je dirais orientale. Ça englobe le tout. Et voilà. Que j'admire beaucoup parce que. Non, c'est vrai. Dis Mashallah. Mashallah. J'aime bien dire Slanbi moi. Je sais pas pourquoi, c'est machallah, mais moi je l'ai jamais dit quand j'étais petite, j'ai toujours dit slanbi quand j'ai complimenté ou dit quelque chose de positif sur une personne, je dis toujours slanbi. Je chante beaucoup, beaucoup à mes heures perdues. À mes heures perdues. Tu disais que t'avais le temps pour réagir. Qu'est-ce que t'as pensé de l'agence? J'y pensais que petit endroit, beaucoup au monde. On est arrivé au bon moment, je crois. On est arrivé au très bon moment, ouais. On est arrivé dans les premières, J'ai l'impression que c'était vide. Et puis d'un coup, boum, il y a marques, trop de monde. Il y a vraiment des marques intéressantes. La nourriture qu'on nous servait, dont on pouvait se servir, c'était réalisé par des personnes. De l'agence, des gens comme et nous. Et qui utilisent les produits de la marque. Ouais. Mais c'est des filles de l'agence, hein, les deux femmes-là, derrière. Ah ouais? C'est des dames de l'agence. Ah, ok. Et voilà, donc elles ont préparé ça, mais bien, elles ont fait des plats différents et tout, hein, t'as vu? Ouais, franchement, c'était bien. Les ailures, ouais. Ça j'ai envie de tester, elle a testé. Ailures... Ah bah tu vois, là, je trouve ça joli. La marque de trucs italiens, là, tu vois, les sauces tomates. Elle vient? Ouais, j'ai jamais testé. Elle vient? T'as jamais testé? J'ai jamais testé. Moi, j'ai toujours testé les marques italiennes qui sont exportées parce que ma belle-mère, elle utilisait ça. Enfin, elle utilise ça. Mais par contre, donc le honey mustard, ça, je vais tester avec le poulet frit, là. Ça donne quand même envie de faire des bons petits trucs. Hein. Ouais. Corinne de Farm, mais bon, le problème, c'est que une fois qu'il y a trop de monde, il n'y a pas assez de monde pour nous expliquer. Enfin, il n'y a pas assez de personnes de l'agence pour nous expliquer les différentes marques. Ouais. On évite beaucoup, quoi. Ouais. Mais en général, c'est par groupe, enfin même pas par groupe, c'est par personne venue, ils font même pas un groupe de 5 ou 6, ça c'est ce qu'ils devraient faire oui. En fait. C'est arriver, t'arrives, 5 personnes, bam, ils te prennent, ils te font le tour. Mm-hmm. Et après, tu fais ce que tu veux. À droite, Baya. Allez, let's go. Je tourne, Baya.
Là, apparemment, c'est dans un endroit autre que l'agence de presse même. En général, ils nous reçoivent chez eux, mais là, c'est dans un autre endroit. Mais je vais avant chercher ton nom. Ok. Voyons, regarde, elle se met à l'aise, elle. Bon, on fait comme ça, alors. Hop, et mets ta veste, accroche ta veste ici. Voilà. Petite astuce, mommy. Voilà. Ça va, regarde, elle s'attend à recevoir un bracelet. Ok, pas de soucis. Regarde la peau, elle est en train de préparer son bras. Je vais te donner le mien, Baya. J'ai un petit avec Happy. Ah, c'est gentil. Merci. Happy baby, merci beaucoup. Donc, si vous pouvez manger, donc là-bas il y a un menu sur la table et si vous voulez quelque chose, je vous demande au chef, il prépare pour vous. Ah, génial. Et si vous préférez de la soupe, on a aussi de la soupe aux légumes et à la pâte à tout. Au deuxième étage, c'est tous nos marques beauté. Donc là-bas, il y a aussi mes collègues qui vont vous expliquer okay. les marques et le diapo. Et tout en haut, donc le troisième étage, c'est encore plus pour manger. Ok. Oui. On fait que manger. En fait, moi, j'ai déjà mangé. Je n'ai pas dû manger, je savais. C'est plutôt apéro. Apéro, ok. Oui, donc il y a des cocktails okay. aussi sans alcool. Il y a CCML aussi. Regarde, ah, maman. Oh, c'est Saint-Nicolas. Tu peux le prendre, hein? Tu veux prendre pour après, bah en sortant, parce que sinon elle va le manger déjà maintenant. Mais d'abord le salé. Il y a quatre. Quatre étages de nourriture. Donc, non, mais d'abord on va manger salé et puis tu manges ça. Dépose-le, comme ça. Il y en aura encore. T'inquiète pas. Tu le mets là. Tu le mets ici. Oui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est gentil. En fait, il représente Albert Einstein. Enfin, plein de marques food. Oh, il y a Nesquik. Oh bien. Il y a Campina, Starbucks, et ils font les capsules Starbucks, maman. C'est une blague. Mais oui, c'est Nesquik. Tu savais pas qu'il y avait les capsules Starbucks? Ouais, non. J'ai dit que j'avais ton nom. Ah, génial. Merci. Merci beaucoup. Regarde, ça c'est le mien. On a la même. Moi, ça va, c'est moi, j'ai vert. Ouais, Kiki, mon amour, je t'aime trop. Ça donne envie ce gâteau. Il y a quoi? Ce qui est bien, c'est qu'on peut manger. En fait, on va recevoir plein de sacs de courses, quoi. Donc c'est bien, on viendra avec à la maison avec des courses. Ah, ça c'est quelque chose que j'achète déjà. Ah, fraise. En fait, voilà, c'est Starbucks par Nespresso. Starbucks. Canon. Oh, regarde, chou. Tarte à moi. Ouais. Il représente tarte à moi. Regarde. C'est quoi ça? C'est semaine. Bonjour. Regarde. Oh, ouais. Oh. Oh oui, biscuits. En plus aujourd'hui, j'ai acheté des biscuits déjà et la canne du Saint-Nicolas avec des M&M's dedans. Attends. Oh, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Les nouveautés chez Croquis, regardez, c'est les croquis andalouses. Donc je pense que c'est une sauce qui existe qu'en Belgique. Je pense pas que ça existe en France, mais voilà, je voulais vous le montrer. Sachez que ça existe. Ça, je ne le savais pas. De chez Albert Heijn, c'est une enseigne que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup déjà quand j'allais à Amsterdam. Et donc maintenant, vous pouvez les trouver un peu partout en Belgique. Et ils ont un houmous au pesto qui est trop bon. Donc ça, j'ai testé. Ah, donc ça, c'est le côté beauté, c'est l'étage beauté. Ça va, Loulou? Tu fais attention hein, quand tu descends. C'est un lit, ça? C'est super bien agencé, je trouve, ici. Regardez. C'est le lit. Là, au-dessus du lit. Je vais te descendre. Tu veux descendre? Comment t'es montée là-haut? Attends, hein? C'est quoi, ça, Snoopius? Ça donne trop
Encore des boules. Tu me dis ça. Oh. Baya, viens voir. C'est le parfum. Je savais même pas que Loranis avait un parfum. Honte. Ah, pour la bébé, oui. Honte à moi, je savais ouais. pas. Mais c'est nouveau. Ah, c'est nouveau. C'est de cette année. Ah, ok. Ouais, donc, ouais. C'est super bon. Hein. Ouais. Baya, tu veux sentir? C'est long, oh, ils sentent trop bon. Je pense. Ça leur sent. Une année. Avant, c'est bien. Tu veux mettre? Ah, non. Voilà. Je les avais déjà testés, je pensais que c'était bien. Oh. Bah, elle vient de sortir, ça. Une minouche, hein. Un an et demi. Petit brun. Sans alcool. Patch lissant, défatigant. C'est pour moi, ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Eau micellaire. À l'eau de bleuette issue du de culture bio. T'as déjà goûté ça, toi? Quoi? Vite, c'est super bon. Trop, trop bon. Non. C'est quoi? C'est un truc super vitaminé et tout? Oui, c'est un sport drink, mais c'est vraiment faible en calories. Donc c'est 35 et seulement 10 pour le boost. Donc c'est super bas. C'est comme un. C'est comme fruit. Ah ouais? Donc, c'est vraiment bon. Et ça, il y en a un dans le goodie bag pour le goûter? Oui, ouais. Mais si tu veux un goût. Moi j'aimerais bien le berry. Le berry? Ouais. Oui, j'ai ici le berry. Oui, oui, il me prend un sac. Oui, ouais, oui déjà pour elle ici. Oui. Baya, tu peux tenir? Tu veux un? Oui, voilà. Merci. Moi, j'aime bien s'il y a du rose. On est à la deuxième, mais on a encore deux après. Donc, ouais, ouais. Ouais, je pense que... Donc là, c'est tous les produits Baptiste. Quoi? Allez, viens. Tu veux ta trottinette? Non, j'ai dit 100. 100? J'ai dit 100 parce qu'on est pressé. Chou, elle va plus vite avec sa trottinette. T'as pas compris, toi? Allez, let's go. Regarde en plus sa trottinette le soir, comment elle fait. Wow, trop stylé. Ici, c'est la barre. Merci beaucoup. Ah, ça, c'est le client. Ok, génial. Merci. Bien, Baya. Donc là, c'est le bar. Là, c'est la nourriture. Là, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Doucement, hein, Chipinette. Ça va? Ça va, et toi? Tout va bien? C'est elle qui a même que je disais. Oui, c'est très bien. Tout va bien? Oui, tout va bien. C'est ma fille, Baya. Enchantée. Dis bonjour, c'est ma copine, tu peux dire bonjour. Dis bonjour, elle est très timide. Oh, au début et après, tu vas la voir, elle va... Comment ça va? Ça va bien. Mais du coup, il n'y a pas de beauty. Il n'y a pas de quoi? Beauty. Ça, ils doivent prévenir, c'est moi, c'est moi. Un. Le 1. Ouais. Moi, je crois qu'il va être ici. Mais non, c'est de l'autre côté, je crois. Ah, t'as peut-être raison. Moi, je crois que t'as raison. Maman. Oui, maman, c'est welcome days. Et pourquoi tu dis que ça craint si c'est le... T'as raison. Allez, let's go. Kiki, regarde l'autre, elle a trouvé l'espace qu'il faut. Non, c'est un beau magasin, hein, Jutu. Ah, moi j'avais reçu la Mazuma, les ronds démaquillants réutilisables. C'est écologique et tout ça. T'as les lingettes, t'as même les cups. Je crois que ça c'est une cup. Ah non, ici c'est un shampoing solide. Mais ils sortent plein de trucs. Ah, chou kimono. Moi c'est ça que je veux. C'est une paire kimono. Comment tu trouves? Trop petite pour moi, non? Ça va. Un point trop petit, non? Mais sur les côtés, j'aurais dit oui, mais de face, non. Moi, j'ai une chemise que j'aimerais trop acheter, mais je sais pas comment. Enfin, je pense que c'est mon style. Hein. Je vais vous montrer, c'est ce style de chemise-là. Il y a Zara qui a fait ça. Et c'est des chemises transparentes et voilà, pour sortir. Oh, les vis! Ils représentent les vis. Donc, il y a Ikea qui est là. Donc, il y a Ikea et puis il y a les vis. Moi j'aime trop ce petit sac. Ça fait un peu mieux. Tu veux pas? Ça c'est trop bon, c'est des noix caramélisées. Goûte ça, c'est trop bon ça.
mai, hein. Marie, c'est Alexa. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu dans les sacs, parce qu'en général, on reçoit des goodie bags. Pas toujours. Là. On n'a pas su faire la quatrième. Ça a été donné directement hein, sur place. Donc là, c'est de l'eau et c'est une bouteille recyclable. Donc ça, je vais la réutiliser. Ici, on a pu le prendre sur place directement, en fait, hein, devant chaque stand. C'est un peu comme le salon de l'alimentation, si vous voulez. Et vous pouvez prendre des échantillons ou quelques pièces comme ça. Ici donc c'est Dole et donc j'en ai pris deux pour tester. Apparemment c'est sans conservateur. Moi je suis un peu anti-fruits prédécoupés et enfin, vous voyez, je préfère faire ça à la maison. Alors là ça sera pour une revue. Je vais tester donc les fossiles magnétiques et bon, vous savez très bien que moi j'ai des extensions de cils, mais je vais essayer de trouver un modèle et alors faire une revue sur YouTube, parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé cette revue là, voir ce que j'en pensais. Donc voilà, alors il y a trois différents types de fossiles. Il y a ces deux-là, les plus grands, qui se ressemblent un peu, mais enfin, c'est ce qu'elle me disait, la maquilleuse, mais moi je trouve qu'il y a quand même une différence. Hein. C'est des galettes de maïs, pardon, et graines de lin. Donc c'est vegan, c'est la marque Lima, ça va être une première pour moi. Baya, elle en a mangé énormément hier. Ceux-ci, donc les galettes de riz au chocolat noir. Ici, apple, lemon and ginger, moutarde, miel de chez Maï. Et comme j'en avais demandé une directement à la cuistot, en fait, bah, elle m'a pas dit, mais il y en avait déjà une dans le goodie bag. Donc voilà. Les ondes soja, ils sont beaux. Regardez. Bon, ça va pas être sur moi. La marque Lima Instant Miso Soup. Soupe traditionnelle japonaise au miso rouge. Donc toujours de la marque Eylure, moi j'aime beaucoup, hein. C'est Eylure, vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo en fait sur comment poser ses fossiles et sur comment acheter des fossiles, mais pour pas cher et en pack. Je vous mets le lien juste au-dessus, c'est toujours valable, il y a encore plein de gens, je vois, qui commandent dessus, donc c'est le site Madame Madeleine, je vous mets le lien dans la barre d'infos, avec, je crois que j'ai un code promo, je sais plus. Mais donc du coup, c'est vraiment pas cher à la pièce. Si vous mettez des cils tout le temps, des fossiles comme ça à coller, tout le temps, franchement, ça peut être une très bonne alternative et beaucoup d'économies pour vous. Donc voilà, donc ici, c'est les Fluttery Intense. Et là, c'est les Most Wanted. C'est vraiment le style de cils que j'aime bien. Moi, vous avez pu voir hein, sur mon compte Insta et tout, mes photos. J'aime bien quand mes cils sont bien fournis. Donc ici, de Corinne de Farm, c'est de l'eau micellaire, détox et bio. Et je ne sais pas si c'est pour retirer les ongles, les faux ongles également. La colle, en tout cas. Pas toute la gamme, mais j'ai quelques produits ici de la marque Pursana, à l'aloe vera. Donc j'ai reçu un pack faire une soupe, donc ça je ferai tantôt ou demain. Donc j'ai choisi le pack la citrouille. Oh, y a une pomme dedans, voilà, et une orange également, mais voilà, ça c'est pour faire une soupe. Et donc ça vient de chez Allerheine, les moussants, donc pour faire du cappuccino. Ça c'est pure leaf, donc c'est à la menthe du Maroc. Ici ça c'est le sérum hein, que j'ai reçu pour mes tatous, pour vraiment accentuer la couleur, enfin intensifier la couleur. Et donc ça je vais tester vraiment bien. Alors de la marque ici, parce que c'est une marque que j'ai découvert là-bas, donc c'est la marque Naughty, donc c'est très naturel et elle m'a donné un produit et je lui ai remis quand même mes coordonnées. Donc elle m'a donné un produit ici, c'est le Curl Defining. Donc c'est pour définir les boucles. Ah ouais, c'est un pack spécial pour faire du guacamole. Du guacamole mexicain. Donc il y a tout ce qu'il faut en fait dedans. Ça c'est bien. C'est un peu comme le principe d'Hello Fresh. Vous ne devez pas acheter séparé vos légumes. C'est vraiment un pack et vous avez tout dedans. Ensuite, ça c'est quelque chose, je suis très enthousiaste pour ce produit là, c'est le Nesquik, il est sûrement dans l'autre paquet, il est ici, ouais il est là. Et donc en fait, moi j'ai l'habitude le matin de donner une cuillère de Nesquik dans le lait de Baya, et maintenant ils ont sorti la version naturelle, au sucre de canne et cacao durable, mais voilà, 100%
d'ingrédients naturels. Bon, en tout cas, je pense qu'il est plus sain que celui que j'ai déjà. Voilà, donc ça, c'est tous les fascicules en fait des articles, des produits que j'ai reçus. Hein. Donc voilà. Alors ensuite ici, ça c'est Too Food. Donc c'est chez Albert Heijn, hein, je crois. Tout vient de là. Ah, mais c'était ça l'endroit où on était. Zalig in Antwerp, Holiday Home. Donc c'était vraiment très très beau. Vous voyez, c'était où elle était, Baya, là, les lits au-dessus. Ah, le Baptiste Dry Shampoo. Bon, moi j'utilise pas ça. C'est une édition limitée. Baptiste, ils en font plein en fait. Hein. J'avais vu le Rose Gold, hein, vous vous rappelez. Et donc, ça c'est le Edgy and Romantic Tempt. Ici, Pure Leaf. Donc là, c'est Mediterranean Peach. Donc la pêche méditerranéenne. Et c'est du thé noir ici. Pop Chips Barbecue. C'est quelle marque ça? Chips soufflées non frites. 97 calories pour ce paquet-là. Donc ça ici, c'est Starbucks, mais par Nespresso. Donc ça, c'est pour mettre dans ma cafetière. Hein. Et alors ici, un mascara brun. Pourquoi on m'a mis un brun? Bon, voilà. Hop. Ce qui est bien pour les personnes qui n'aiment pas mettre le mascara noir, le brun, c'est une bonne alternative. Ça vous donne vraiment un effet naturel. Hein. Comme ça, vous savez. Ici, c'est le shampoing sec Chlorane Extra Doux au lait d'avoine en format mini. To the Rescue, donc de Naughty. Et donc, c'est le shampoing ici. Voilà, je voulais juste vous montrer comment ça se passait un peu les events presse. J'espère que ça vous a plu. Il y a plein de gens qui demandent toujours comment ça se passe. Et du coup, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer. Bon, là, c'était différentes agences. C'est ça qui est bien. Donc, la dernière, malheureusement, n'avait pas parlé. Enfin, n'avait pas exposer leurs clients beauté. Donc il y avait la mode, mais malheureusement il n'y avait pas la beauté. Voilà, mais j'aurais voulu vous montrer ça parce qu'ils ont des clients comme Ici Paris XL, et donc Ici Paris XL, c'est un peu l'équivalent du Sephora chez vous en France, enfin chez vous en France, chez Sephora, quoi, l'équivalent Sephora. Et là, du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça les surprises des events et des événements presse. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.